m'appelle Pauline Guichard, j'ai 32 ans et donc je joue aux échecs et je suis actuellement championne de France donc en 2018 et 2019. Et donc je joue pour le club d'échecs d'Asnières depuis maintenant 2 ans. Donc concernant mon parcours professionnel, alors c'est un peu particulier. Donc en fait, je joue aux échecs depuis l'école primaire. Et quand j'ai eu 18 ans, donc quand j'ai eu mon bac, j'ai fait des études de médecine. Et donc, en gros, je suis gynécologue actuellement. Et donc pendant 10 ans, j'ai un peu arrêté les échecs, donc j'ai moins fait de compétition. Et j'ai repris finalement récemment le travail, enfin de travailler les échecs. Et notamment, grâce à ça, j'ai pu avoir mes titres de championne de France. Dans le milieu des échecs, alors c'est un milieu avec lequel j'ai commencé depuis que je suis toute petite. Donc j'ai beaucoup d'amis, donc j'ai grandi avec des joueurs d'échecs que je côtoie encore actuellement. Donc c'est un milieu avec lequel je suis très proche. Le point négatif de ce milieu-là, c'est qu'en termes de licenciés, il n'y a que entre 15 et 20% de femmes. Ça varie en fonction des années. Et donc c'est vrai que ce milieu manque de femmes. Et c'est le seul point négatif que je pourrais citer par rapport à ce milieu. Sinon, c'est un milieu qui est très, très agréable, dans lequel j'ai beaucoup de proches. Ce qui m'a marqué dans ma carrière, donc en 2018, fin 2017, je finis mes études de gynécologie. Et donc c'est le moment où j'avais envie de faire une pause au niveau professionnel. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai repris les échecs, j'ai retravaillé les échecs. Et au début, c'était un peu difficile parce que les résultats n'étaient pas forcément là. Et en 2018, il y a eu le championnat de France d'échecs. Et c'est là où j'ai été championne de France pour la première fois. Et donc pour moi, c'était une grande fierté. Et c'est surtout, j'étais assez satisfaite parce que j'ai travaillé pour ça. Et le travail a payé. Et donc je pense que c'est le titre dont je suis le plus fière. Je voudrais dire aux femmes qui souhaiteraient jouer aux échecs, c'est que donc, comme je le rappelais avant, c'est vrai que c'est un milieu qui est où il y a beaucoup d'hommes, il n'y a que 15 à 20% de femmes qui sont licenciées. Cependant, actuellement, il y a des choses qui sont en train d'être faites, normalement, notamment avec il y a plus d'animatrices qui vont être des femmes. On essaie vraiment de développer les échecs chez les femmes. Et je pense aussi que la série récente avec The Queen Gambit sur Netflix va donner envie aux femmes de jouer. Et en tout cas, vous êtes les bienvenues. C'est un sport qui est très intéressant et que moi j'aime beaucoup, enfin, c'est ma passion, donc je vous incite en tout cas à essayer de jouer et puis si ça vous plaît à continuer. Et vous êtes les bienvenus au club d'échecs d'Asnières également où il y a beaucoup de femmes qui jouent. Fin.